Bonjour à tous et à toutes. Je suis Tim de Space News. Nous sommes le 11 février 2024, il est 17h et j'ouvre la sixième présentation de la série intitulée Les Galactiques 2024. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la Lune, la décrire en détail, ses réacteurs nucléaires, la projection d'un hologramme qui la cache, son intelligence artificielle et ses mondes extraterrestres internes. Sachez que je n'ai jamais partagé cela avec quiconque parce que ça paraît tellement extraordinaire que c'est difficile à croire. Les informations que je vais partager avec vous sont de sources extraterrestres, uniquement de sources extraterrestres. Elles sont radicalement différentes des informations officielles que vous serez probablement interloquées à la découverte d'une réalité spatiale que peu de personnes connaissent. Ces informations m'ont été confiées depuis le milieu de l'année 2016 par les membres d'un équipage extraterrestre d'origine pléiadienne. Le 9 octobre 2016, donc à la fin de l'année 2016, alors que j'étais déjà en contact avec ces équipages et une trentaine d'extraterrestres depuis le mois d'avril ou mai, les premières extraterrestres à m'en parler furent Rachel, Aneka et Svaru dans une conversation de groupe. 2 jours plus tard, le 11 octobre 2016, Asket a rajouté des informations. Et un mois plus tard, ce fut le tour de Zen d'ajouter des informations. Si les dates sont précises, c'est parce que j'ai tout simplement enregistré toutes mes conversations avec eux. Il ne s'agit pas de canalisation, ni de télépathie, mais bel et bien de conversations en live, à l'écrit et en audio. Je vais donc m'en tenir à ce qu'ils m'ont dit, puisque j'en ai la preuve écrite noir sur blanc. Commençons par la chronologie historique. Sur Terre, nous pensons que la Lune est un satellite naturel parce que c'est la manière dont la Lune est présentée et c'est ce que nous apprenons à l'école. Aucun scientifique n'affirmera de ce fait que la Lune est un satellite artificiel, encore moins un vaisseau spatial. Mais avant de me lancer dans la description détaillée de la Lune, reprenons la chronologie des événements entre l'arrivée des Lyriens sur Terre et l'arrivée de la Lune, premièrement. Il y a 50 000 ans environ, les Lyriens, attaqués par des colonisateurs orionnais, s'enfuient de leur planète en petits groupes et s'installent dans les constellations des Pléiades, où ils deviennent des Pléiadiens, du Triangle et dans notre système solaire où ils deviennent des Terriens. Après avoir atterri sur Terre, les Lyriens créent leur colonie Lyria Gaia. Les Pléiadiens, donc qui sont des Lyriens qui sont devenus des Pléiadiens, atterrissent aussi sur Terre et installent leur colonie Lémurie. Troisièmement, d'énormes constructions sont entamées autour du globe, notamment les 2 sphinx, parce qu'il y en avait 2 à l'origine, et les pyramides de Gizeh, la plupart des pyramides dispersées autour de la planète, ainsi que de nombreuses villes qui sont maintenant en ruine ou qui ont disparu. Quatrièmement, les Orionais, les dracos reptiliens, installe un premier piège sur Tiamat pour piéger la Fédération Galactique, atterrissent aussi sur Terre et y installent leur colonie de l'Atlantide. Cinquièmement, les guerres qui continuent entre des alliés regroupés en Fédération Galactique et les colonisateurs dévastent la surface et les écosystèmes de Mars et aboutissent à la désintégration totale de la planète Tiamat qui devient la ceinture d'astéroïdes. Sixièmement, ce qui en retour déséquilibre la dynamique spatiale des planètes dans tout notre système solaire
jusqu'à Jupiter. Ce déséquilibre fut causé par la perte de masse de Tiamat progressivement redistribuée à mesure que des morceaux de Tiamat devenaient la ceinture d'astéroïdes et que son eau se déplaçait. D'abord, l'eau s'est déplacée dans le système solaire, dans notre système solaire. Septièmement, ce qui entraîna aussi des cataclysmes sur Terre avec des effets dévastateurs sur la biologie et sur les civilisations causés par le changement de la dynamique du système solaire. Huitièmement, des masses d'eau, en grande partie non gelées de Tiamat, qui flottent dans l'espace jusqu'à ce qu'elles entrent en contact avec le champ gravitationnel de la Terre et de Vénus. Elles y sont attirées et tombent sur la Terre et sur Vénus, créant des déluges sur les deux planètes. Ce qui, par la même occasion, détruit, comme je viens de le dire, presque toutes les communautés vivant sur ces deux planètes et aussi submerge la Lémurie et l'Atlantide qui disparaissent. Neuvièmement, l'axe terrestre se déplace à cause de la masse d'eau. Comme il y a plus de poids, ça a déplacé l'axe terrestre et ce qui a aggravé le déséquilibre, causant des cataclysmes catastrophiques sur toute la planète. Dixièmement, puis il y a environ 12 000 à 12 500 ans, la Fédération galactique décide d'amener la biosphère andromédienne artificielle Luna dans le but de stabiliser et d'équilibrer la Terre. Onzièmement, la Terre est placée dans une bulle électromagnétique qui normalement est utilisée lorsque les lignées extraterrestres veulent développer une planète et y implanter tout ce qu'elle peut recevoir. Donc c'est une bulle normalement de protection. Donc il place cette bulle électromagnétique au niveau des ceintures de Van Allen dans le cadre des efforts visant à stabiliser la planète Terre, son orbite, l'inclinaison de son axe et le déplacement polaire, tout autant que pour limiter les colonisations en cours. Douzièmement, les fréquences de la Terre sont abaissées de 50 Hz, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cinquième densité, à 7,83 Hz, ce qui correspond à la troisième densité. Et ceci amène les terriens que nous sommes à manifester leur réalité actuelle en basse fréquence en créant une matrice de troisième densité. Treizièmement, après le déluge, de nouvelles civilisations commencèrent à se redévelopper comme la Mésopotamie et l'Égypte. Je vais maintenant décrire la Lune, c'est-à-dire la biosphère Lune. La Lune est ce que les Andromédiens appellent une biosphère artificielle. C'est comme une planète, mais artificielle. Il en existe d'innombrables dans l'espace qui sont toutes construites à peu près de la même manière, mais chaque biosphère est adaptée à la vie qu'elle va recevoir. Les Andromédiens possèdent 12 biosphères de ce type, 9 sont sphériques et 3 sont triangulaires. L'une d'elles est Viera, dont je parlerai bientôt, et plusieurs d'entre elles sont stationnées dans notre système solaire en orbite autour de Jupiter et de Saturne, avec des caches similaires à ceux de notre Lune. La Lune est une biosphère qui a été construite il y a très longtemps par des ingénieurs arcturiens et andromédiens sur une commande de ces derniers dans un chantier naval d'une zone cosmique appelée le vide du Bouvier. C'est l'un des plus grands vides cosmiques et une région de l'espace intergalactique immense qui doit son nom à la constellation du Bouvier, dont le soleil principal est Arcturus. La construction de cette biosphère s'est donc faite dans le voisinage spatial de Pitola, l'une des planètes arcturiennes. C'était à l'origine et depuis sa construction
une biosphère d'habitation réservée aux Andromédiens qui ne vivent plus sur des planètes naturelles, mais sur des biosphères de ce type. Ils disent qu'ils préfèrent garder leur investissement mobile, changer de place dans le cosmos lorsque c'est nécessaire et qu'ils sont attaqués. Elle était habitée à l'origine par plusieurs millions d'Andromédiens. Puis, elle fut utilisée par la Fédération galactique comme cosmoport de protection dans l'espace. Et après avoir traversé les guerres de Tiamat, elle fut finalement pilotée, remorquée et placée artificiellement en orbite terrestre. La surface de la Lune est dépourvue de détails ou de caractéristiques, contrairement à ce que l'on voit depuis la Terre, car ce n'est pas un satellite naturel, il s'agit d'une boule métallique qui a été construite en 12 sections spécifiques, chacune divisée en 12 mondes internes, soit 144 sphères internes, imbriquées les unes dans les autres comme des poupées russes et séparées entre elles par des zones de manutention technologique. C'est le cas aussi pour Viera, une biosphère triangulaire dont je vous parlerai un peu plus tard. Description externe et interne de la Lune. Derrière l'apparence que vous voyez depuis la Terre, la Lune est une biosphère en métal avec des lignes, 12 lignes parallèles et une ouverture plus haute à son équateur, car c'est l'entrée des hangars pour de petits vaisseaux qui viennent s'y garer et y être protégés. La Lune est creuse. En allant directement au centre, on trouve des équipements et des machines énormes pour le maintien de la vie des habitants qui alimentent le moteur, un réseau de 72 réacteurs d'énergie 2.0 utilisés pour les 144 niveaux. Certains réacteurs fonctionnent encore et d'autres sont endommagés ou ont été mis hors service. Les 72 réacteurs internes ou moteurs de la biosphère ne sont pas les 12 réacteurs nucléaires dont je vous ai déjà parlé, qui brident les fréquences terrestres, qui sont eux plus proches de la coque externe. Lorsque l'on vient de l'espace en vaisseau spatial, on atterrit d'abord sur les plateformes d'atterrissage à l'équateur de la Lune, à l'équateur de la biosphère, et on y gare son vaisseau. Le premier niveau, juste sous la coque extérieure, abrite plusieurs centaines de grands hangars de différentes tailles destinés à protéger et à recevoir de petits vaisseaux de toutes sortes qui appartiennent à de nombreuses lignées extraterrestres qui évoluent autour de la Terre et qui sont impliquées avec les affaires de la Terre. Les hangars sont des endroits où non seulement les plus petits vaisseaux peuvent se garer, mais ils peuvent aussi y être réparés. Donc il y a toujours beaucoup de manutention, beaucoup de personnes dans ces hangars, parce que, par exemple, lorsqu'on a sauvé quelqu'un sur Terre ou un groupe sur Terre, on arrive dans les hangars, et là, toutes les personnes peuvent sortir du petit vaisseau dans le hangar. Donc ici, c'est la même chose, mais la Lune n'est pas active de cette manière. Les entrées de ces hangars, en particulier ceux utilisés de nos jours, parce qu'ils les utilisent toujours, sont cachés par des cratères. Certaines portes glissent à l'approche d'un vaisseau pour le laisser entrer dans un énorme tunnel, et d'autres opèrent comme le diaphragme d'un appareil photo. Sous le plancher de ces hangars se trouvent les principales installations de contrôle de ce niveau. Lorsque vous sortez de votre vaisseau qui a atterri dans l'un de ces hangars et que vous allez à l'intérieur de la sphère suivante, vous verrez les centres officiels d'accueil ou des sortes d'ambassades où la plupart des lignées extraterrestres en visite sont logées, accueillies et où ils travaillent. En dessous de ce second niveau se situe le moteur principal de ce niveau qui est masqué par le cratère du nom de Tycho. Un Tycho en français. Tycho. Sous ce niveau et plusieurs autres sphères de service, on trouve la première des trois sphères principales de la biosphère. Ces espaces ont des plafonds extrêmement élevés et des écosystèmes naturels ont été implantés
tout contrôle artificiel. Ils sont gérés artificiellement. Par exemple, il y a des montagnes à l'intérieur, hein, des rivières, des plaines, des prairies, des océans avec des vagues, de la pluie, des nuages, un soleil interne, etc. Et puis, il y a des animaux, des terres agricoles pour récolter la nourriture nécessaire aux habitants de la biosphère. Il y avait également à l'intérieur de cette biosphère, dans ces écosystèmes, plusieurs grandes villes et de grands villages où résidaient les habitants, les Andromédiens et leurs invités. Ces villes et villages andromédiens ne ressemblent pas du tout à des villes terriennes. Elles sont beaucoup plus douces, plus étendues, plus respectueuses de la nature, avec beaucoup d'espace entre les maisons, les bâtiments et les constructions, et tout est géré par intelligence artificielle. Elle vieillit, les Andromédias sont d'accord pour la prêter, pour servir de cosmoport dans les guerres qui opposent les deux parties, donc la Fédération galactique et les colonisateurs. Et comme il y a des guerres, elle est abîmée au point qu'on ne puisse plus la réparer. Actuellement, de nos jours, la Lune, c'est une vieille biosphère métallique en ruine. Elle fut endommagée de manière irréparable pendant les guerres de Tiamat et de Mars, et une grande partie de son contenu a été pillée par d'autres lignées extraterrestres qui en ont ressorti l'or, l'argent, tous les systèmes informatiques, enfin tout ce qui pouvait être récupéré. D'ailleurs, toutes les lignées extraterrestres utilisent de multiples fois leurs ressources. Rien n'est jamais jeté, tout est recyclé. Une grande partie de ces niveaux internes sont gravement contaminés par les radiations ionisantes des guerres et ces écosystèmes ont été retirés et désactivés il y a longtemps. La plupart de ces niveaux ne sont aujourd'hui guère plus que des dépotoirs, de véritables dépotoirs. Et Zen m'en a donné le détail que j'avais donné dans une autre vidéo. Il a été horrifié en voyant ce qui s'y passait. Et ça, c'est de véritables dépotoirs sur des milliers de kilomètres. Ça, c'est ce que l'on voit quand on est en vaisseau spatial. C'est-à-dire que Zen, lui, passait devant la Lune, ou bien mes autres contacts passaient devant la Lune, mais sous la vision que vous en avez actuellement, je vais vous expliquer ce que c'est. Ce qui est certain, c'est que le niveau de surface, les hangars, les postes de contrôle officiels fonctionnent toujours et servent de base d'opération pour la Fédération galactique et beaucoup de ces petits vaisseaux. Pourtant, ce n'est pas leur principal centre de commandement. Je vais partager avec vous quelque chose que je n'ai jamais partagé auparavant. En fait, ce vaisseau spatial métallique, quand on passe à côté, on voit que c'est une boule en métal. Mais pourquoi est-ce que sur Terre, nous voyons ce que nous voyons? Eh bien, tout simplement parce que, comme cette boule métallique pouvait être facilement aperçue depuis la Terre, les ingénieurs de la Fédération galactique ont placé un ensemble de milliers de projecteurs d'hologrammes, tous synchronisés les uns avec les autres, pour produire un hologramme réaliste d'une lune naturelle criblée de cratères. Cet hologramme est placé juste devant la surface métallique de la Lune, c'est la face visible que nous nous voyons. La surface métallique est un excellent réflecteur, semblable à celui du Soleil qui a permis de placer cet hologramme de haute définition pour qu'elle ressemble à une lune naturelle. Les détails sont tellement réels qu'on a l'impression de voir une surface réelle, même avec des télescopes puissants. Mais il n'est pas parfait. Et des observateurs sur Terre ont réussi à capter la réinitialisation de l'hologramme qui se déplace comme une bande noire qui traverse la Lune en allant du sud vers le nord, du bas vers le haut. C'est-à-dire que l'hologramme n'a pas besoin de bouger. Il est là de tout temps, 7 jours sur 7, jour et nuit. La Lune tourne sur son propre axe, mais à une vitesse telle qu'elle est synchronisée avec la Terre. Et c'est pourquoi nous voyons toujours le même côté. C'est ce que nous appelons ici sur Terre la face visible. Mais cette face visible
n'est que la couche d'un hologramme où cache la vraie biosphère métallique. Alors comment est-ce que tout cela est géré? Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a les moteurs internes qui gèrent les différents mondes, la Fédération galactique lorsqu'elle utilise le centre de contrôle et qu'elle reçoit sous la surface. Il y a cet hologramme qu'il faut gérer. Il y a les réacteurs qui brident les fréquences terrestres. Donc, comment est-ce que tout cela est géré? C'est géré par une intelligence artificielle. Au départ, la Lune dispose encore d'un système informatique plutôt ancien, mais qui paraît encore très avancé par rapport aux normes terriennes. C'est une vieille intelligence artificielle binaire et numérique qui permettait de contrôler les fréquences de la Terre. Mais il faut savoir que cette intelligence artificielle était elle-même contrôlée par une autre intelligence artificielle beaucoup plus avancée et beaucoup plus puissante. Cette puissante intelligence artificielle est aussi partout sur Terre. C'est juste que personne ne la voit. Elle n'est pas sur le même plan que les humains. Cependant, elle nous voit et elle peut tout contrôler. C'est un problème qui existe depuis des millions d'années. Il vient de l'extérieur de la Terre, de l'extérieur de la Lune, de l'extérieur de ce cadran et de cette ligne de temps. Cette IA englobe les civilisations au fur et à mesure de sa progression. Elle les intègre. C'est ce qui se cache derrière l'agenda transhumaniste sur Terre, où peu à peu les humains deviennent des cyborgs. La Lune est une zone restreinte. De nos jours, la biosphère Lune n'est plus sous le contrôle de la puissante intelligence artificielle, qui est toujours sur Terre mais pas sur la Lune, ni de celui de lignée extraterrestre régressive. Tout ça a été nettoyé il y a pas mal de temps par un équipage que je connaissais. Elle est sous le contrôle de la Fédération galactique, qui a déclaré toute la Lune comme zone restreinte. Pas seulement une partie, toute la Lune, entièrement. Personne ne peut s'en approcher sans autorisation spéciale de la Fédération galactique. Mais comme les espaces de vol autour et dans la Lune sont contrôlés par la Fédération galactique, il y a bien entendu beaucoup d'activités de vaisseaux militaires de la Fédération qui accueillent des vaisseaux terriens, ne sont pas ceux qui sont présentés au public. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Si vous voulez poser des questions, je vous laisse la parole. Voilà, j'espère vous voir très nombreuses et nombreux à ces webinaires. En attendant, portez-vous bien.